Salut les geeks, c'est Eltor et on se retrouve pour une petite vidéo sur la community survival. Donc une petite survie seulement au pistolet mitrailleur. Donc une vidéo qui dure moins de 3 minutes si je me trompe pas. J'ai fait le montage pour que ça dure pas très longtemps, puis j'ai accéléré cette partie pour montrer la première manche et surtout quel pistolet mitrailleur j'achète. Donc c'est ma deuxième vidéo pour la community survival. Parce qu'ils m'ont. Ils m'ont redemandé et je leur ai fait parce qu'ils disent que ma vidéo a assez bien marché, c'est celle qui a le plus de vues sur leur chaîne, donc je leur ai fait. Excusez-moi, je parle vite, j'en fais une deuxième sans trop de soucis. Donc j'ai acheté la MP9 juste maintenant. Et là je prends le scorpion. Donc pour moi c'est les deux armes à utiliser pour une survie au pistolet mitrailleur. Ouais, c'est le pistolet mitrailleur. Excusez-moi, puis donc voilà, donc on passe tout de suite à la vague 7. Donc je suis mort vague, je sais plus combien vous verrez pour pas vous dire tout la fin. Donc voilà, vague 8. J'attends que les ennemis viennent à moi. Donc j'ai surtout, il faut aussi acheter, c'est le C4. Je vous ai pas mis, mais bon, ça c'est. Il faut acheter le C4, c'est presque obligé dans une survie. Donc je conseille de prendre le C4. Donc ouais, le C4 et puis donc voilà, vous pouvez voir que je l'utilise. Bon là je vais mourir assez bêtement, donc j'ai mis cette partie pour que vous voyez comment je suis mort. Donc voilà, j'ai lancé mon C4, le mec a tiré, ça a fait péter mon C4 et du coup je suis KO. Donc là je fais un petit cut et voilà, donc une toute petite vidéo du survie de Modern Warfare 2. Donc sincèrement, Modern Warfare 3, pardon, excusez-moi. La survie est super bien foutue comparé aux bots, aux IA, aux robots, comme vous voulez, de Black Ops, où il y a le... Comment ça s'appelle? Format avancé. Bon, là j'ai fait un fail. Sincèrement, ils sont beaucoup plus intelligents, ils sont mieux faits, vraiment beaucoup mieux faits. Donc, la survie, il n'y a vraiment rien à dire, c'est super bien foutu. Comparé à celui de Black Ops, ouais. Donc, on passe tout de suite à la vague 13, les amis. Tout de suite, vague 13. Donc, c'est la dernière séquence, donc je suis mort en vague 13. Donc, là, je suis avec la... Ah purée, j'oublie les noms. Bon, si je me trompe pas, c'est la MP9. Bon, j'ai oublié les noms. Ouais, c'est la MP9. Donc, voilà. Voilà, ça c'est le scorpion. Donc je vais voir que je vais mourir vraiment bêtement. Hein. Donc c'est vite fait. Donc pour moi, utiliser ces deux armes pour faire une survie. Bon, bien sûr, après, il faut quand même gérer le truc. Et acheter blindage, etc. Ce que je n'ai pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Passez voir ma petite chaîne et puis faites un petit tour. Allez, j'espère que ça vous a plu. Petite dédicace à la community survival et salut tout le monde.